Information pour la rue, Joe Biden, pas candidat à la présidence encore pour élection, ben pour, alors pour, on dit pour prochain, on dit, ben est-ce qu'on a dit pour prochain? Pas vraiment pour prochain parce que quand elle a déjà démarré, un premier débat qui fait, comme nous connaissons, un premier débat qui est censé pas jouer en faveur de Joe Biden, ou en pile discussion qui t'a fait autour de. Débat ça, pour te encourager Joe Biden à quitter course là. Et jeudi, pendant que nous parlions là, dans la dernière heure, eh bien, Joe Biden définitivement dit que il retire la candidature à la présidence pour la prochaine élection, pour un nouveau mandat, si nous capable de dire ça comme ça, parce que les démocrates définitivement pile en compte. T'as fait pour encourager ou même parler de Barack Obama ou j'ai parlé dans les oreilles Joe Biden parce que dans un premier temps Joe Biden t'a fait résistance pour dire que les mêmes l'a prêté dans course là ils ont obligé dépêcher des monde des anciens pour aller parler avec Joe Biden pour permettre que les mêmes lui retirer candidature non seulement par rapport avec son ensemble de gaffes que un peu de monde est capable de constater non seulement dans le débat et puis dans différentes rencontres, déplacements que vous avez gagné et qui dit démocratie, dictature, là un problème et puis un peu de monde est capable de constater tout l'âge de Joe Biden pratiquement fait défaut et bien définitivement et bien Joe Biden nouvelle là a gagné là sur tout réseau que Joe Biden lui-même décidé retirer candidature à la présidence pour briguer un nouveau mandat. Maintenant dans vidéo ça qui est important que nous pral parler, pas oublier au sous rendez-vous presse. On a rendez-vous presse nous là pour nous parler depuis sujet ça intéressé et lui obligé intéressé parce qu'on a parlé de information, tout ça qui lié avec information ou même toujours à consommer information. Donc l'important pour suivre contenu ça parce que nous même n'a essayé de déterminer nuance à complicité, pas complicité mais complexité qui gagne dans question la presse là comme nous connaissons déjà dans communauté haïtienne gagne pile boulet rouge capturé autour de métier ça qui c'est journaliste ou bien domaine ça qui c'est la presse. Maintenant dans vidéo ça rapidement n'a pas encouragé pour être jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous pral n'a pas essayé garder pour nous si nous capable joindre ou bien n'a bail deux désavantages qui gagne le fait que Joe Biden retire candidature et puis n'a bail deux avantages tout qui gagne le fait que il retire et il retire tête en course là. Donc c'est deux désavantages avantage par rapport avec dernière décision ça qui prend rapidement premier désavantage qui gagne on dit que nous on a question moun Biden yo en pile moun là le moment là qui a sauté moun Biden yo qui a sauté immigrant yo qui pratiquement qui sous frontière qui a sauté alors la balle des immigrants qui sous frontière entre Mexique et États-Unis moun gen tendance ou bien qui envie sorti non pays quelconque pour entrer États-Unis par voie immigratoire et bien qui yo a sauté dans moment et bon moun déjà dans Biden yo aux États-Unis bon pratiquement gen la de quand a appliquer pour TPS et ça veut dire que mais en attendant yo pour qu'on ait comment ça va changer pour yo parce que dans moment là comme nous connaissons déjà Donald Trump dans dernier temps ça là renforcé beaucoup plus par rapport avec dernier événement qui est arrivé sous l'IA tentative d'assassinat qui était faite sous l'IA le 13 juillet qui se doit passer là. Maintenant, qui avantage qui désavantage ça gagne par rapport avec dernière décision yo? Et mais premier désavantage dans camp démocratique c'est que nous capable dire c'est que désavantage qui gagne c'est que Joe Biden, comme désavantage, c'est que Trump, pas oublier, Joe Biden, c'est une
on va dire seul candidat ou bien qui était capable de faire face en réalité avec Donald Trump. Et Joe Biden était conscient de ça, il était même dit ça dans une interview, côté que il était fait connaître que lui et peut-être c'est le seul monde qui a combattu Joe et Donald Trump. Pour qui ça? Parce que pas oublier Joe Biden lui-même, tout dossier, tout grand dossier politique qui vient à travers le monde, dans le moment où on parle là, Joe Biden c'est un monde qui est censé un acteur principal. Et pas oublier avec l'expérience Joe Biden tout dans la question administration américaine, là, Joe Biden pesé en pile. Et nous avons même interview où tu posé question avec Vladimir Poutine entre, par rapport avec la dernière élection là, entre Vladimir Poutine et Joe Biden, qui est-ce qui t'a approuvé un président dans la prochaine élection, qui est-ce qui t'a choisi. Bon, avec diplomatie, bien entendu, nous connaissons Poutine, son nom qui est très diplomate tout dans le sens parle. Et bien, monsieur te dit, il préférait alors, il préfère Joe Biden pour qui ça? Parce que Joe Biden, c'est un monde qui vraiment mûr dans la question politique américaine, parce que parcours lui et montrer ça tout, et puis expérience lui. Et puis par rapport avec ensemble des décisions politiques que Joe Biden donc Poutine était pratiquement conscient de la situation et que il était préféré que c'est Joe Biden qui pour être capable élu président dans la prochaine élection. Bon, malheureusement là dans cette situation présentée là comme des avantages c'est que si Donald Trump gagne en face lui et en réalité le monde qui compte donner yo puis bien on peut ka maîtriser données par rapport avec dernier chiffre ou bien dernière tendance pour venir avec des arguments et même parler de question inflation aux États-Unis. Donc c'est Joe Biden qui était ka meilleur monde te ka parler de situation ça. Le fait que qu'on n'a pas gain Joe Biden qui vous parler de ça bien et là qui vient ba un avantage bon côté et républicain yo mais bon côté démocrate yo et mais là il vient antigen sensible non question ça son premier désavantage ou même tout ou capable souligner d'autres avantages pas oublier capable souligner ça dans commentaire yo et sous ou même ou d'accord avec nous ou capable toujours faire nous signe. Donc premier désavantage c'est que démocrate bon côté pa yo et bien le fait que pa gen Joe Biden qui pour camper en face de Donald Trump par rapport avec ensemble de données de maîtrise de données dans administration américaine nan, et suite avec dernier grand événement qui gagne à travers le monde, que ce soit guerre en Ukraine, en Israël et d'autres tendances qui gagnent à travers le monde, eh bien, Joe Biden, ta meilleur monde pour ta faire face là, jeudi, nous pas gagner Joe Biden face à Donald Trump, donc sont pratiquement un désavantage. L'autre désavantage qui gagne, c'est que pratiquement là, Joe Biden retire l'école. Certes, maintenant qui est-ce qui va venir remplacer et Joe Biden? Et il a même parlé dans le dernier journal qui sorti dans France 24, fait qu'on est que 19 août cap coché là, c'est date que tu as supposé monde qui t'a supposé remplacer Joe Biden. Maintenant qui est-ce la pied? Nous pouvons connaître, mais il y a forte chance que c'est capable yon fi. Pour qui ça? Parce que nos capacités, yo, yo vraiment cité nos Kamala Harris et yo te même cité nos Michelle Obama qui te même fait un petit retrait et comme deux non filles et bon l'autre garçon tout quoi non te cité. Maintenant c'est non filles et qui pratiquement a cité pour ta remplacer Joe Biden et nous voulons parler directement de Kamala Harris. Kamala Harris, comme nous connaissons déjà, c'est un monde tout qui assez connaît l'administration américaine. Non? Et nous avons déjà cité depuis quelque temps. Et jeudi, nous avons cité encore pour venir pour remplacer Joe Biden. Maintenant, qui des avantages qu'il y a? Pas oublier, c'est un fils. Maintenant, Donald Trump lui-même, psychologiquement, dans la politique, on va dire pratiquement à travers le monde, bien que Mexique avec l'autre temps d'autres pays, mais puis récemment là, pays Mexique fait la différence puisque dans le moment où on a parlé là, prochain président ou bien alors prochain président qui parle occuper poste la présidence au Mexique officiellement, c'est en forme liée, nous voulons parler de Claudia.
Donc, ça veut dire que les tendances n'ont déjà pas changé. Mais est-ce qu'aux États-Unis, on fit, nous adhérons plus vraiment voter pour une fille? Mais nous, pour qu'on connaisse, mais psychologiquement, et Donald Trump, les mêmes cas, dit-elle, mais puisqu'ils sont femmes qu'en face, lui, eh bien, les débats sont beaucoup plus faciles pour lui. Et que, en pile, l'autre monde n'a pas vraiment souhaité que c'est une fille qui occupait comme première place pour occuper les États-Unis, bien que c'est pour Barack qui j'aime fait aux États-Unis. Donc, ça a capable de des avantages, le fait que c'est une femme et le fait que c'est une femme qui vient en face de Donald Trump. Donc, ça a capable de des avantages pour quand et quand démocratio dans ce sens ça par rapport avec le retrait et on dit que dans la prochaine élection face avec Donald Trump. Qu'on y a là, on regarde rapidement et avantageux. Avantageux, c'est que, premier avantage, c'est que si Joe Biden retire l'école, il n'y a pas oublié un ensemble de donateurs, monde qui ont besoin gros l'argent pour l'élection, le fait que Joe Biden retire l'école, eh bien, monde ça va décider bail l'argent que vous pas souhaité bail. Donc ça veut dire que il y a un cop qui va bail dans le camp démocratique bien que donateur yo même c'est ça vous souhaité pour Giovanni retirer cop pour capable investir. Donc yo même t'ai parlé de George Clooney, c'est un monde qui est très influent aux États-Unis. Donc ça veut dire monde ça va commencer bail l'argent pour permettre que élection au niveau démocratique déroulée comme ça et comme ça doit en termes de financement. Et ça, c'est un avantage. Et puis, dans le même premier avantage, ça, et alors, COB a débloqué. Maintenant, l'autre avantage qui est capable de gagner tout, et nous sommes capables même retirer le désavantage là, l'autre avantage qui gagne, c'est si c'est le fait que Joe Biden retire Collie, eh bien, quand les républicains ont parlé de Donald Trump, l'adversaire qui parle en face d'IA, c'est pour l'adversaire qui parle pas vraiment connaît. Donc, il y a une situation qui parle pas être un petit genre imprévisible pour lui. Ça veut dire par contre, à qui ça a attendu, contrairement c'était à Joe Biden que le temps fasse. Pas oublier, Donald Trump, ces derniers temps, il est toujours un petit genre farouché Joe Biden par rapport avec l'âge. Maintenant, c'est bon, l'autre candidat en face de lui, donc ça, il n'y a pas de mise encore. Donc, il va l'obliger à camper dans une situation pour lui. Et fight pour lui bailler des arguments valables pour contrecarrer monde qui est en face d'IA. Donc nous beaucoup connaît et deuxième avantage à nous dire si sont l'autre monde que ce soit une fille que ce soit un garçon donc Joe et Donald Trump pas vraiment en situation pour lui contrôler ou bien connaître qui est-ce qu'en face d'IA parce que situation qui va pas être imprévisible pour lui parce que l'adversaire n'est pas vraiment connu contrairement avec et Joe Biden. Maintenant, l'autre avantage qu'il y a encore, c'est toujours si c'est une fille, et si c'est une fille, comme nous disons, si c'est une fille, il y a capable d'avoir des avantages, mais si c'est une fille, tout, pas oublier la question féministe, là, son bail qui est très en vogue, et nous connaissons à travers le monde, il y a plus de filles que de garçons, donc ça a favorisé tout, si c'est une fille qui vient, toutes mesdames, toutes femmes, vont souhaiter que c'est une femme. Pas oublier droit femme plus fort pays mesdames très et comme le cas dit ça très solidaire avec femme dans ce sens ça donc si son femme même les capable de différence eh bien on dit que est capable facilement voter pour une femme que ce soit Kamala Harris ou bon l'autre monde mais pour le moment c'est Kamala Harris qui a cité beaucoup plus donc voilà c'est censé avantages et désavantages qui est capable de gagner, mais en réalité, nous pouvons connaître comment la situation va le dérouler. À la seule différence, c'est que le changement ça qui porte, c'est un changement qui donne pratiquement changé. Bien que nous connaissons dans le camp républicain, Donald Trump vraiment là monté en force, changement ça a tout pour permettre que, alors le fait que Joe Biden retire tête dans la course là, ça pourrait permettre que la course là soit beaucoup plus dynamique. Parce qu'en réalité, on ne peut pas attendre.
Donc, en gros, c'est censé ça. Maintenant, en ce qui concerne la question immigration, programme humanitaire, en ce qui concerne Joe Biden, programme Biden, question immigration frontière, si c'est toujours qu'un démocrate qui l'a, même quand démocrate yo, toujours favorisé avec la tendance qui gère la question immigration, hein, venir avec des programmes, nous était quoi, c'est pas un problème. Maintenant, si c'est quand républicain yo, dans la dernière élection qui a remporté, d'ailleurs, républicain yo, clair sur ça, depuis c'est eux-mêmes qui montent au pouvoir, question immigration, ils ont géré ça d'une autre façon, ils ont une loi qu'ils ont mis en place pour permettre de compter carré la question immigration. Ça, c'est bon secret pour personne, tout le monde connaît. Maintenant, qui ça peut gagner, nous pouvons connaître. Et nous avons Johnson Napoléon, et dans le dernier un message que vous voyez, pour rapport avec la situation, ça, qui dit qu'il faut nous remercier toute diaspora, parce que c'est diaspora qui, parce que pas oublier, dans l'élection, c'est le monde qui est citizen, c'est haïtien qui change de nationalité, diaspora qui est citizen, c'est eux-mêmes qui ont le droit de vote. De droit de vote. Donc, c'est eux-mêmes qui vont voter dans la prochaine élection. Donc, nous-mêmes qui venons, nouveau, monde qui n'a pas de nouveau, monde qui est arrivé aux États-Unis, faut que nous honorer diaspora parce que c'est eux-mêmes qui tracent les routes pour nouveaux venus aux États-Unis. Donc, Johnson Napoléon a envoyé un message ça. Nous espérons que tout le monde qui est là, il a respecté Eneo de toute façon. On parlait de Eneo. Respect pour toute aînée. Donc voilà, en gros, c'est censé ça. Si vous avez une remarque, pas hésiter à faire. Si vous avez un commentaire, pas hésiter à écrire. Nous-mêmes, c'est avantage avec des avantages que nous avons porté pour vous dans la vidéo. Ça. Pas oublier, c'est rendez-vous presse. Restez branchés. Nous avons plusieurs contenus. Nous préparer dans ce sens. Restez avec nous, partagez, like et puis abonnez. Bye bye tout le monde.